C'est sur la télé, s'est déplacé au CHSLD de l'hôpital Sainte-Anne afin de découvrir les murales Arbres de vie, réalisés en collaboration avec des élèves artistes du programme Arts-études de l'école secondaire du Chêne Bleu de Paincourt. Avec les trois créatrices des murales Arbres de vie, Mélanie, Natacha, Valérie. Alors, d'où est venue cette idée de créer des murales Arbres de vie à l'hôpital Sainte-Anne? Alors ici à l'hôpital Sainte-Anne, on a un comité de milieu de vie, puis on s'est mis ensemble, puis on voulait trouver une façon d'aider à orienter les résidents sur les unités en hébergement, des résidents qui sont ici à long terme. Alors on a eu l'idée de faire un projet pour que chaque unité ait une couleur différente. Comment ça a été réalisé avec les élèves du Chêne Bleu? Qu'on a fait développer les idées aux élèves. Donc, chaque étage avait sa couleur. Donc, ils ont pigé une couleur. La couleur était imposée. Puis, à partir de cette couleur-là, chaque équipe d'élèves, là, on parle d'entre 4 à 5 élèves, d'élèves de secondaire 1 à 5 jumelés ensemble. Puis là, il a fallu qu'ils fassent une recherche. Puis là, il fallait qu'ils développent toutes leurs idées pour leur arbre. Alors, c'est eux qui ont créé la proposition de chaque arbre. C'est toute une histoire de logistique. Je ne sais pas si vous réalisez parce que on est sur 8 étages. Les 8 équipes étaient sur les 8 étages. Quelle a été la réaction des personnes âgées, des visiteurs ou du personnel? Ce que j'ai vu avec les miens pour les étages, c'était plus des regards. Ils venaient voir. Il y en a une madame était drôle parce que « Allez-vous mettre la couleur? Allez-vous mettre la couleur? » C'était vraiment important pour elle qu'il y ait beaucoup de couleurs. C'est incroyable les efforts que les étudiants... Puis là, bien, avec ça, c'est mieux, ça aide. Oui? Oui. Ça allait apporter une rencontre aussi. Ils venaient voir le travail évoluer, puis les élèves se faisaient poser des questions. Il y avait un échange qui se déroulait, donc c'est sûr que ça a été très positif.